C'est tout beau, c'est tout mignon, c'est magnifique. Bonjour à toutes et à tous, ici Wolfario, on se retrouve aujourd'hui sur Armello. Armello. J'en sais rien. Tiens, j'ai des choses là. Ah oui, j'ai un dé. Ah, j'ai qu'un dé, d'accord. Mais écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté, hein. En tout cas ici tout va bien, hein. Voilà, c'est tellement cliché, j'ai l'impression d'être un podcasteur nul, c'est parfait. Et donc on se retrouve aujourd'hui sur ce jeu qu'on m'a gracieusement offert. Merci à toi. ça fait plaisir, galerie de cartes, je peux même voir, oui mais non mais je m'en fous, voilà. Ce petit jeu, ce qui est un jeu de plateau en fait. Que j'ai découvert, que j'ai trouvé tout mignon et tout ça, et que du coup voilà on m'a offert et que voilà c'est... Que dire de plus. Voilà, alors j'ai fait le prologue tout seul, voilà, qui est en fait un didacticiel. Donc je pense que je vais faire le prologue en votre compagnie. Je vais d'abord commencer par ça, tout de suite, voilà, hop, genre ça, genre complètement, voilà, hors ligne comme ça, on n'est plus emmerdé, voilà, nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Clin d'œil, clin d'œil. Bref. Donc, campagne solo, prologue, je propose qu'on y aille, voilà, alors... Le royaume d'Armelor regorge de magie et de merveilles, mais dans l'ombre, les ténèbres avancent et gangrènent les terres. Notre roi, autrefois souverain, a été corrompu par le déclin. Sa tyrannie et sa folie menacent le royaume qu'il a lui-même unifié. Héros, vous n'avez pas d'autre choix que de vous hisser sur le trône d'Armelor. Prudence et de mise, cependant. Armelor est une terre où le hasard et la trahison règnent en maîtres incontestés. Les aventures ont mille visages. Le destin, ainsi que vos autres adversaires, n'auront aucune pitié. Mais souvenez-vous bien, seul un cœur audacieux peut espérer arracher la victoire, alors que tout semble perdu. Voilà. Alors, j'ai tout débloqué forcément, voilà, cette petite cinématique, c'est la petite cinématique qu'on a vue, voilà. Les grands héros portent le fardeau du voyage, non pas dans sur leurs épaules, mais dans leur cœur. Nous avons donc un petit tutoriel qui se fait en 4 étapes, hein, où on découvre chaque aspect du jeu. Du coup, le combat, la corruption, la loyauté, si je puis dire, et la magie. Enfin, c'est plus que la magie, techniquement, mais voilà, c'est... C'est plus un aspect chamanique qu'autre chose en soi. Donc écoutez, je propose qu'on commence, voilà, on va commencer par le début, hein. Ça me permettra en plus d'apprendre, enfin de vous apprendre les bases du jeu du coup. Enfin, c'est le jeu qui va vous apprendre les bases du jeu techniquement, mais enfin voilà, je serai derrière, et bref, j'ai arrêté de parler, c'est parti. Cette musique est géniale, j'adore ce petit jingle. Je crois que je vais jouer Tain juste pour cette petite musique, quoi, c'est génial. Casse-toi curseur. La lune brille au-dessus de vous, Tain. Les anciens sont de plus en plus agités. Une obscure odeur empoisonne l'air. Nous suspectons que les forces du mal sont à l'œuvre. Nous suspectons le déclin. Un chevalier du clan des loups vous attend aux portes de Rive Sud. Il a rapporté des preuves d'une activité du clan des rats. Ils sont peut-être responsables de ce poison. Nous avons envoyé un guide pour vous mener à la colonie. Bien que bavard, c'est un aventurier expérimenté. Je suis désolé, il écrit expérimenté. Qui vous servira bien. Que votre lame frappe juste. Marcheuse des neiges maître du terrier. Bah écoute, merci. Noble marcheuse, nous y allons. Bonjour Tain, bonjour. La chef Tain m'a parlé de toi, vous a parlé de moi, n'est-ce pas? Je le sais, je vois la lettre. Allons-y, youpi. Bon, je vais arrêter de faire cette voix par contre, ça va m'exploser plus qu'autre chose. Donc notre première quête est d'aller à Rive Sud, donc il suffit simplement de s'y aller en se déplaçant de case en case. Jusque là c'est pas trop compliqué. Rive Sud est au nord-ouest, un beau voyage, ça a l'air d'être bien. Enfin, ça va être bien. Donc voilà, forcément, tout jeu de plateau, il y a un nombre de points d'action. Donc voilà, 3 par tour, c'est relativement standard. Donc très bien, voilà. Donc, on va déplacer Tain. On va passer par là, ouais, hop. Ouah, regardez un peu ces montagnes. J'en ai vu des plus grosses, mais quand même, il va falloir un temps fou pour les traverser. Voilà, donc en gros, les montagnes offrent un bonus de protection, mais en contrepartie, forcément, ça consomme plus de points d'action d'y aller. Voilà, ça en consomme 2. Est-ce qu'on peut se reposer? J'ai mal aux pieds. Bien sûr.
Regardez, mais ce jeu est tout joli et tout, c'est magnifique. Oui, je sais, je sais, je sais. Alors voilà, forcément on a une jauge de vie, voilà. Si on perdait toute notre santé, en fait, on ne peut pas vraiment perdre par mort dans ce jeu. Une fois qu'on a plus de PV, on est renvoyé ici. Voilà. Enfin, dans les terres des loups, ça me semble jusque là relativement simple. Donc notre but est d'aller jusque là. Bah écoute, vas-y, je t'en prie. Voilà. Les forêts permettent d'être furtifs de nuit. Les héros furtifs ne peuvent pas être vus. Jusque là, tout va bien. C'est bon. Donc la quête est finie. On prend le contrôle d'une colonie quand on s'y arrête. Et chaque colonie vous rapporte plus un d'or à chaque aube. Ce qui est pratique. Ouh, il y a un meurtre à Rive Sud. Donc félicitations, vous avez atteint votre première quête. Ouais. Donc une silhouette portant une robe surgit d'entre... Ah, chut, je sais. Silence, je sais. Silence. Casse-couille. Voilà, une silhouette portant une robe surgit d'entre les portes de Rive Sud. Elle tient un couteau ensanglanté. Une équerre est à sa poursuite. Tain, arrêtez-le! Donc voilà, nous avons deux options. Nous avons une option non risquée, où voilà, on laisse partir et on gagne quand même un PV et un de prestige, ici. On peut tenter de la risquer. On a 50% de réussite. Nous gagnons toujours un point de santé et un point de renommée. Mais si, en plus, nous pouvons débloquer un écuyer. Enfin, une écuyère, là, du coup, si j'ai bien compris. Ou, si on rate, on perd 2 points de santé. Alors, ici, comme je n'ai que 5 points de vie, c'est 50%, en fait. C'est 10% de chaque... de la jauge correspondante, en fait, voilà. Donc, écoutez, on y va, on teste. Ah, donc, ces trucs-là représentent notre chance de réussir, ces trucs-là représentent notre chance de rater. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une réussite. Très bien. Donc notre récompense supplémentaire est un partisan. Voilà, parfait. Et on reçoit également un de physique, parce que... YOLO. YOLO. Voilà, 6 du coup, 6 sur 6. Si seulement vous étiez arrivé plus tôt, ce monstre nous a attaqué pendant qu'on vous attendait. Il a tué mon maître. Quelle misère, quel drame, pauvre de moi, comment vais-je faire? Eh bien, vous cherchez un écuyer. Ce gars pourrait être utile, Tain. Ouais, bah écoute... Voilà, donc on a un inventaire ici, très bien. Et on peut simplement y glisser l'écuyer que voilà. J'ai un nouveau maître, je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Après une sieste, j'ai besoin de sommeil. Et j'ai encore mal aux pieds. Putain. Attends, donc voilà. Ce qu'il apporte, c'est que la prochaine fois que vous êtes tué lors d'une bataille, l'écuyer meurt à votre place. C'est complètement... Oh mon dieu, quoi. C'est violent. J'avais pas lu la carte, mais putain. Les tours d'Armello alternent du jour à la nuit. Voici votre or. Il vous sert à jouer des cartes objets et ruses. Vous gagnez de l'or grâce à votre clan et vos colonies à chaque aube. Très bien, du coup là j'en gagne 2. Alors, les habitants d'Armello vous proposeront des rumeurs, vous aurez souvent le choix entre plusieurs d'entre elles. C'est parti, vous devriez lire les journaux que vous avez récupérés. Très bien. Donc, cette rumeur mène à une quête dont la récompense est un trésor, une poupée. D'accord. Voilà, on a également une jauge de combativité qui représente notre faculté au combat, et voilà. En fait, chaque quête, épreuve et tout ça mettra à l'épreuve une des jauges, donc forcément, mieux vaut prendre celle qui nous... qui nous met le... enfin, qui est la plus avantageuse, quoi. Donc... Il y a quelque chose là-bas. Messire ? J'ai regroupé quelques affaires de mon maître. Je suis sûr qu'il aurait souhaité qu'elles vous reviennent. Moyennant quelques sous. Nous devrions nous équiper de cette épée et de ce bouclier, et ils seront certainement très utiles. Ouais, c'est une épée et un bouclier, quoi. Donc nous avons des objets ici, hop, on peut les équiper dans notre inventaire, voilà. Ça nous coûte du fric, mais voilà. Parfait, allons-y. Nous allons traverser un marais aujourd'hui. C'est un trajet difficile, on y laissera peut-être quelques plumes. Hop.
Alors voilà. Les marins infligent un point de santé quand on s'y quand on y va. Par contre, voilà, les cercles de pierre comme ça sont des sites antiques, empreints du pouvoir des Wilds. Ils restaurent un point de santé à ceux qui s'y rendent. Voilà, donc en gros, on vient de perdre un point de santé pour récupérer un point de santé. Tout va bien. Alors, abondance de ténèbres, le cercle est jonché. Je sais. Chut. On sait. Donc voilà, le cercle est jonché de symboles de pouvoirs obscurs. Là, au centre, se tient la silhouette en robe, remplissant son sac frénétiquement. Il vous remarque, puis part en courant à travers le bord du cercle. Donc là, soit on attrape les sombres outils, point. Et on gagne rien de plus que 1 en combativité et 1 en prestige. Ce qui n'est pas utile ici, ceci dit, mais bon, soit. Soit on tente la course-poursuite, on gagne la poupée, ou on perd un point de santé. Voilà. Je propose qu'on teste, hein. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est scripté. ici, on est obligé de le perdre ici. Donc voilà, à 4 prêtres, vous courez à toute vitesse à travers le cercle. Au dernier moment, la silhouette tourne sur elle-même et vous la serre au visage. Vous hurlez et il s'échappe. Salopard. Il s'est enfui et il a pris la poupée avec lui. Pour être honnête, ça ne me gêne pas qu'on ne l'ait pas trouvé. J'ai pas envie de me frotter au déclin. Installons notre campement. Nous pourrons partir à sa poursuite demain. Très bien. Voilà. Taigne du clan des loups, remettez-nous la poupée ou mourrez par ordre du roi. Mais c'est la folie, nous n'avons même pas l'épée, la poupée. Pourquoi la garde royale nous attaque-t-elle? Nous n'avons rien fait de mal, c'est insensé. Bien, combat. Vous vous souvenez de la combativité? Chaque point de combativité accorde un dé lors d'une bataille. Donc nous en avons 6, donc nous avons théoriquement 6 dés. Voilà, 6 dés. Les dés d'Armella comportent 6 symboles uniques. Donc, une épée pour un point d'attaque, un bouclier pour un point de défense, un soleil sont des points d'attaque de jour et des ratés la nuit. Et les lunes, bah, c'est l'inverse, voilà. Et enfin, les wilds équivalent à des coups puis explosent. Accorger un dé supplémentaire. En gros, ceci donne un point d'attaque et puis après on peut relancer le dé. C'est fumé. Et ça, bah, c'est un raté, voilà. sauf quand c'est corrompu, j'ai un doute, mais bon. Donc voilà, les statistiques de l'adversaire, c'est la même chose, voilà. On peut balancer 4 dés. Putain, ils sont classe, ces dés. Alors, au début d'un combat, chaque combattant affiche ses objets, partisans et sorts choisis pendant que leurs dés sont bloqués. Donc, le clan des loups préfère se battre de nuit, logique. Ils ont droit à un dé supplémentaire lorsqu'ils révèlent des défis de nuit. Voilà, donc il fait nuit, on a un dé en plus. Fidèle bouclier accorde un point de bouclier au combat, voilà. Et l'épée apporte un point d'attaque, de base. La garde royale porte la hallebarde du lièvre qui réduit les dés de combat de leur adversaire. Ah! Donc j'en ai un en moins. Ok. Donc il balance ses 4 dés. Voyons. C'était un raté ça! Bon, c'est pas grave. Hop, lançons les dés. Voyons ce que ça donne. Les dés qui font n'importe quoi. Voilà, wow! J'ai bien pété la gueule là. Tiens, prends ça. Voilà. Va te faire foutre. Voilà, wow. Je me tape l'autre du coup, putain. C'est parti. Salut. Un dé supplémentaire, voilà. Tac, tac, tac. Par un dé, c'est pas grave. Vas-y. C'est un peu n'importe quoi, oui, on est d'accord. Bon. Ok, c'est pas grave. C'est scripté ici en fait, hein, voilà. Ça ne sent pas bon, vous avez vu? Il y a une prime sur notre tête. La garde royale va nous traquer. Il faut un plan, et vite. Les ténèbres s'abattent sur Armello. Des signes montrent que le déclin est revenu. Un loup chassé est forcé de se retirer, alors que les rats se faufilent pour en apprendre plus.
Voilà. Et vous avez vu le design de ce jeu? Ça, c'est le design de personnage que je préfère, franchement. On me classe souvent Fury, parce que j'aime bien les personnages anthropomorphes. C'est à tort, tout simplement, parce que, enfin, vraiment, moi j'aime juste les personnages, enfin les animaux en fait, qui ont des caractéristiques humaines, comme ces personnages-là aussi. Et c'est particulièrement ce type de personnage, et type de personnage de conte, je vais dire, qui, enfin, que je préfère. Donc vraiment, moi, ça j'adore. Bref, on va faire le récit du rat, c'est parti.